Hello everyone, welcome back to our channel. I'm Lydia. Et moi c'est Kevin et ensemble nous sommes Kevin et Lydia becoming a family. So today's video, we want to kind of share our faith journey and our individual faith journey, really. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va partager avec vous notre parcours un peu spirituel, enfin notre histoire avec Dieu, et pour que vous compreniez un peu plus. And so we have just a few questions to like kind of step by step explain our story. And just as a disclaimer, I want to say that every answer is probably going to be a bit long and have several parts to it because it's a story. Chaque réponse risque d'être un peu longue parce que enfin c'est une histoire, enfin il y a différentes parties, donc restez avec nous. Go to the first question. So it's when did we become a Christian? Donc la première question c'est quand est-ce que sommes-nous devenus chrétiens? So for me, I would say that I first became a Christian when I was 7 years old, which was in 2003. Ah, t'as fait les maths, c'est bien. Donc Lydia, donc elle a donné sa vie à Christ quand elle avait, elle est devenue chrétienne quand elle avait 7 ans. So to explain that a bit, that's when I did the prayer of salvation, and that's where I recognized that Jesus had died on the cross, and he had for my sins, and that's what I decided that at such a young age I wanted to actually follow the Lord with my life, and I just wanted to give, I wanted the Lord to have, I don't know, because control sounds a bit, I just wanted God to really be at the forefront of my life, and I wanted him to be my leader. Donc Lydia, comme elle explique, la prière de, en gros, dire devenir chrétien, en gros, c'est quoi? C'est, dans la Bible, il est marqué qu'en gros, c'est quand tu fais la prière du salut. C'est lorsque tu reconnais que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est envoyé sur la terre pour mourir à la croix pour tes péchés. En gros, le reconnaître comme le Seigneur de ta vie. Donc Lydia a voulu que Dieu soit au contrôle de sa vie à un très jeune âge, donc 7 ans. Et donc elle a donc accepté Jésus dans sa vie très jeune. Et moi, c'est un peu différent parce que moi, j'ai grandi dans une famille. Donc mon père est catholique et ma mère était protestante. On a une église catholique quand on était plus jeune. Et c'est lorsqu'on est parti en Angleterre en 2005, on était à l'église de ma tante, qui était protestante du coup. Et je me souviens, genre les pasteurs étaient habillés en baggy, les gens ils sautaient, ils dansaient. J'étais en mode, c'est quoi cette église? Parce que moi j'habitais à l'église catholique très calme, très monotone et tout. Et j'étais en mode, quand on rentre à Paris, il faut absolument qu'on trouve une église comme ça. Et ça a pris quelques années, donc c'est en 2008 vraiment que j'ai donné ma vie à Christ. Enfin pour la première fois, parce que vous connaissez ceux qui ont grandi à l'église, tu ne sais pas, tu lèves ta main là. Quand je sais pas que tu as besoin que tu pèches, il faut que tu lèves ta main. Mais ouais, la première fois c'était en 2008. Après le reste, on en parlera plus tard. So Kevin was saying that he grew up as a Catholic, his mother and his father was a Catholic, and so he grew up with church being very calm, it was very religious sort of approach, and it was when he went to the London in 2005, and he went to a church there, and the pastor was like kind of dressed in like in jeans, casual clothes, jeans, very chill, everybody was dancing, like the whole vibe of church was so much more vibrant, so much more alive. It wasn't anything that he thought church should be. So when he came back to France then, he was like, I really need to find a church like that that I was in London. And so it was in 2008 when he came back here, he managed to find a church, and that was kind of when he gave his life to the Lord for the first time. But he was saying that there'd been a few times when I don't know if you guys are familiar with church, they will always offer the prayer of salvation at the end, and they'll say lift your hand if you want to. So Kevin was saying like sometimes he lifted his hand thinking he had to, but really it was his personal choice in 2008 and when he found that connection with the church when he came back. That's it. So the next question, when were we baptized? Deuxième question, quand est-ce que nous avons été baptisés? So for me, this was a long time after giving my life to the Lord. It was 11 years later. Donc pour Lydia, ça a pris beaucoup de temps. C'était 11 ans après avoir donné sa vie à Christ qu'elle s'est fait baptiser. I was 18. It was in 2014. Lydia, un peu de mal avec les maths, c'est pas grave. Non, t'as pas du mal. Tu peux tout par Jésus qui te fortifie. Amen. 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 Ouais, donc Lydia, c'est à 18 ans qu'elle s'est fait baptiser en Angleterre. Yeah, and the story with that was a lot of sort of the youth that I grew up with in church all of a sudden got baptized at the same time, and I felt very pressured by this decision. I felt that I felt like I should be doing it, but really I didn't want to because I felt like it had to really be a decision that came from my heart. So that was probably 2 years before I got baptized. I forgot to add that when I gave my life to the Lord when I was 7, it was on Easter Sunday. So I actually then got baptized 11 years later on Easter Sunday. In my church,
that I grew up in, back in the north of England. And that decision really came from my heart, and it's something that I felt the Holy Spirit prompted me to do. C'est beau. Wow. Donc moi, c'est un peu similaire, mais c'est marrant. Mais en gros, j'ai pratiqué pour la première fois en 2009, je crois, ou 2008, j'avais 16 ans. Et c'était clairement un peu la pression, parce que pareil, comme Lydia, elle n'a pas fait parce qu'elle voulait le faire constater elle-même. Moi, en gros, c'est en mode, j'étais dans une église, c'est en mode, tu deviens chrétien, tu fais les cours de fondement, entre guillemets, pour comprendre la Bible, pour comprendre ce que tu fais, entre guillemets, et après, tu te baptises. Et je l'avais fait un peu à cette époque-là, parce que tout le monde disait de le faire. C'était pas vraiment ma décision. Je savais que c'était bon pour moi, mais c'était pas genre ma décision à moi. Donc je fais baptiser là. So Kevin was saying that it was in like 2009 when he was 16 years old. But unlike me, Kevin had felt the pressure of like everybody getting baptized, mm-hmm. and he kind of went along with it because in church they'd been learning about the Bible, mm-hmm. learning about the next step. Mm-hmm. It's really that was baptism, which I feel like we haven't explained what baptism is, and that is really when. Because Jesus did it in the Bible, and it's a symbolic thing that you are really born again, that all your sins are washed away, that mm-hmm. physical act of being of being washed submerged in the water, and that it is kind of meant to be a public declaration of your faith to the Lord. If you want to explain what baptism is. En fait, on n'a même pas expliqué que c'est le baptême pour ceux qui connaissent peut-être pas. En fait, le baptême, c'est quelque chose que Jésus a mis en place. C'est vraiment un acte par lequel tu exprimes ta foi en public. Et c'est aussi un symbole où, lorsqu'on te plonge, dans l'eau, on te guémet ta nature pécheresse, ta nature de péché. On te guémet reste dans l'eau et t'es ta nouvelle créature que t'es sort en Christ. Et ce qui est marrant, je l'ai pas dit aussi, chez les catholiques, on baptise quand t'es bébé. Sauf que, donc, en fait, je me suis baptisé trois fois. Parce que je me suis baptisé quand j'étais bébé. On te verse des trois petites gouttes là sur la tête. Et donc, la première fois en 2008. Yeah. So go ahead. So Kevin was just saying that actually in Catholicism, like that you are christened as a baby. Yeah. And so Kevin was saying that he's been baptized three times. So he's saying that when he was a baby, he had like the drops of water put on his head. Yeah. But I just finished in Kevin's story that so he was baptized when he was 16. And that was the first time when it was more out of pressure that he got baptized rather than out of authentic choice, real choice. Mais pour moi, en fait, ce qui est marrant, c'est que même si je me suis fait baptiser, vu que c'était pas vraiment un choix qui venait de moi, et moi je voulais pas le refaire, mais en fait, j'étais. Donc, quand je vivais à New York, je suis allé à une retraite, un camp pour les hommes, c'était genre juste exceptionnel. Et donc, à la fin de ce week-end, ils ont fait un baptême dans une piscine qui était genre juste fou. Et j'étais tout seul c'était dans upstate New York, genre dans la campagne, il n'y avait absolument personne, il n'y avait pas Lydia, personne de ma famille, j'étais quelque, entre guillemets des étrangers, des gens d'église que je connaissais même pas, et au final je me souviens à ce moment-là, j'ai senti dans mon cœur que bah, là c'est ton choix, tu vois, genre là il n'y a personne, c'est toi et Dieu, il n'y a absolument personne là, et c'est une décision que tu aurais dû faire auparavant, plus jeune, même si tu l'as faite, malgré pression, là, genre là je l'ai refaite tout seul, et c'est genre juste incroyable, donc je me suis refait baptiser, mais là c'était vraiment mon choix, donc c'était en 2018, il y a deux ans. Mais pas beaucoup de gens savent ça parce que c'était vraiment entre moi et Dieu. Il y a que Lydia et ma famille qui savent. Mais genre pour les gens, ils gardent le baptême de 2008-2009. Mais parce que pour moi, c'était genre vraiment ma décision personnelle et personne ne le sait. C'est pas vraiment un truc qui est plus devant tout le monde. He went on a retreat. All right. A men's retreat with the church there. New York. He was when we were living in. Well, he was living in New York. And it was a crazy weekend, and towards the end of the weekend, they were having baptisms. No pool. And this was in a swimming pool. Yeah. And at that point, I wasn't there, Kevin's family wasn't there, but they were doing like a call for anybody that feels right now they're prompted by the Holy Spirit to be baptized. And so Kevin just felt that in that moment the Holy Spirit prompted him and it really became a choice from him. He got baptized again. Mm. And that really for him was the moment that was the most significant because it was his personal choice and it was his time that he really felt that decision between him and the Lord. Mm. And there was nobody there, so it was very sacred and it was a very precious moment for him. And nobody knows that, so nobody knew that. So I feel like Kevin said a lot more in the French version, but that was the story. Yeah, that was the story. Okay, so the next question was, when did Jesus become real to us? Donc la question d'après, c'est... À quel moment Jésus est devenu réel pour vous, pour nous? Et on partageait un soir un moment, un témoignage, un miracle qu'il a pu faire. Il y a des moments, genre,
j'ai vu la main de Dieu tellement de manière miraculeuse. On va parler rapidement. Je vivais aux États-Unis, j'avais 20 ans. J'étais en stage, j'étais pas payé. Et genre, en gros, j'avais une bourse internationale à l'époque. Et la bourse, elle payait juste genre le loyer. Kevin saying that when he went to the States and he was living off, he was an intern and he wasn't getting paid, he was living off, how do you say this word in English? A bursary. International bursary. An international bursary. Yeah. And the only part that it covered was his rent. Yeah. Et genre à chaque fois, et là-bas j'avais une voiture donc il fallait payer l'essence, la nourriture. Et pour ceux qui connaissent, il faut donner l'argent à l'église, tu vois. Et à chaque fois, genre c'était soit je donne l'argent à l'église ou soit j'ai l'argent pour payer mon essence. Et genre la nourriture, c'était genre le dilemme. So obviously Kevin needed to put petrol in his car, yeah, or gas. Gas for the Americans. And he needed to pay for his food, he needed to just live really. Yeah. And then he was saying that for people that don't know, like you give money to the church. You have offering in your tithes that you give to the church. And Kevin was like, you know, should I give money to the church with this little that I don't have? Yeah. Or should I put it into the essentials of food? Et je me souviens, quand je suis arrivé à l'église et tout, j'étais en mode, Seigneur, si tu veux que je donne cet argent, parce que moi j'étais en mode, je peux donner la moitié, je donnerai le reste la prochaine fois, mais sans moi, si tu veux que je donne l'argent à l'église, pendant le culte, genre, mets quelque chose dans mon cœur et je donnerai tout et je te ferai confiance. So Kevin was saying, when he went to church that day, he was like, Lord, please make this so clear to me if you want me to give like you this money, because he was thinking maybe I'll give half now and the other half like later when I'm more comfortably able to. Yeah. And he said, but Lord, Holy Spirit, if you want me to give you this money, please make that clear to me during the service. So on était mercredi et mon anniversaire c'était le dimanche ou le samedi, je sais plus. Donc au final, le mercredi, donc pendant le culte, je sais pas, il y a un élan qui me prend en mode donne tout. J'étais en mode oh là là, panique, donc je mets tout dans l'enveloppe. So Kevin was like, this was a Wednesday when he was at church, and his birthday was, he said Sunday, on Monday, Saturday. The Sunday or Saturday, and basically during this like service, he felt like the Lord said to him, give me everything, that's what he said. Et du coup j'ai tout donné, et donc le samedi je vais à un Bible school, Bible study, j'ai fait un Connect Group, et genre, je me souviens, j'arrivais donc à la fin du Connect et tout, et vu que c'est mon anniversaire arrive, une dame dans l'église, elle me donne une enveloppe. So Kevin gave all of his money, and as his like birthday was coming up, there was a woman that came to him and gave him an envelope with a card. Et genre, enfin c'était vraiment un miracle. J'accélère un peu pour pas être trop dans les détails, mais en gros, avec mon anniversaire et tout ce qui s'est arrivé, ce que j'avais donné à Dieu, j'ai reçu trois fois ce que j'avais donné à Dieu, genre trois quatre jours plus tard quoi. Et genre l'essence que j'avais, ça m'a tout ce que j'avais m'a permis de tenir jusqu'à ce que j'ai la bénédiction. Donc quand j'ai donné à Dieu, genre les gens vont dire ouais c'est un hasard, c'est ton anniversaire, moi je sais que c'est Dieu qui a pourvu par ces gens, qui a touché des gens, parce que Dieu utilise des gens pour me bénir. Et à ce moment, enfin c'était tellement une expérience miraculeuse, je me disais mais Dieu t'es tellement bon quoi. So he was saying that in that envelope, the amount that he had given, the amount that came back to him was three times more than what he'd given. And he was saying that everything, the money that he'd had, made him go just until he got the money back. So like he could pay for his food and pay for the petrol just until it just ran out when he got the money. Yeah. And he was saying that people could say it was his birthday and people gave him like money for his birthday, but he knows it was from God because of the impeccable timing. Ouais, donc en gros, enfin franchement, mon temps aux États-Unis c'était genre juste incroyable. Enfin Dieu pourvoyait tellement à tous mes besoins. Les gens qui me voyaient, ils pensaient que j'étais un millionnaire, alors que j'étais un stagiaire qui n'était pas payé quoi. So he was thinking that the way that you live, people would think he was like a millionaire, but actually he was an intern, and it was only because of non-paid. Yeah, a non-paid intern, and it was only because of the way that God provided for him that he could survive. Yeah, that's it. That was a great story. Your turn. Wow, that was long. I have a lot of things coming to my mind, but I feel like one story that stood out for me. Donc il y a Lydia, donc elle a beaucoup d'histoires, mais une histoire qui en particulier qui la frappe. So I was going on a missionary trip with my church. Lydia est partie en voyage missionnaire. And just before I'd been camping and I got bitten like on my ankle. Elle est partie faire du camping, elle s'est fait piquer genre sur sa cheville. And also at the same time I'd like started to get a really bad like sore throat. En même temps, elle a eu une gorge douloureuse. So I was just feeling very unwell, and the flight was 11 hours straight. It's the longest flight I'd ever done.
Et donc elle sentait vraiment pas bien, elle avait un vol donc de 11 heures, c'était le vol le plus long qu'elle avait jamais fait. And it's a personal journey I've been on, but a journey of healing has been very hard for me to completely trust in the Lord about. Enfin, c'est un parcours sur lequel Lydia est encore, mais le croire à la guérison de Dieu, c'est quelque chose qu'elle est en train de grandir avec, enfin, que Dieu est en train de l'apprendre. And I remember I was basically, my girl Anna, if you're watching, will remember this moment. We called it our Mid-Atlantic meltdown, and I just lost it, and I started to feel very panicked, because I started to just feel very unwell, and I kept thinking I was just going to get worse and worse and be unwell during this trip. Elle fait une petite dédicace à Anna qui était avec elle, donc si tu regardes la vidéo, en gros, durant le vol, elle a vraiment commencé à paniquer parce que ça s'empirait, elle avait peur que durant son voyage, son séjour missionnaire, bah, ça se passe mal. And so I remember vividly I went into the bathroom and I was just completely declaring full healing. Because what I didn't add was the bite on my ankle. It wasn't just an insect bite. It started to swell. My ankle was very, very big. It was just a really bad infection and it was really hard for me even to walk. Enfin, ce qu'elle a oublié de préciser, c'est que sa cheville avait vraiment gonflé. C'était pas juste une petite piqûre. Enfin, ouais. Ça avait vraiment, vraiment gonflé. Donc elle a vraiment du mal à poser son pied, à vraiment marcher. And I went into the bathroom and I was just declaring, I said, Holy Spirit, right now, I just declare that you will just heal me. I believe in you. I believe that you can. I believe that I will get better right now. That this will not get worse in the name of Jesus. Donc elle est vraiment partie des toilettes de l'avion. Donc vous voyez, on peut prier dans tous les endroits. Donc c'est un témoignage. Elle a commencé à déclarer que vraiment, Seigneur, que par tes meurtrissures, ça irait mieux. Qu'elle est guérie dans le nom de Jésus. And I remember this moment very vividly. I just felt like a lifting come off of me. Et elle se souvient vraiment de ce moment de manière très vive. Enfin, elle se souvient comme quelque chose, vraiment comme un poids qui s'est vraiment levé. Ouais. And that moment, I just instantly felt better. À cet instant-là, directement, elle s'est sentie directement mieux. And when I got off the plane, I looked at my ankle and it completely, the swelling had completely gone down. Et quand à ce moment-là, quand ils sont arrivés là-bas, et elle s'est rendu compte que sa cheville avait complètement dégonflé, quoi. C'était un miracle. Jesus was very real in that moment. Et Jésus est vraiment devenu très réel à ce moment-là pour elle. Because he completely healed me and I was fine for the rest of the trip. Yeah, we hope you've been encouraged by this video. We hope that you know and understand a little bit more about our faith journey with the Lord. And if you have any questions, don't hesitate to write them in the comments. And yeah, we pray that God blesses you. Thank you for watching.